Afin de préciser leur perception visuelle, nous proposions aux enfants, âgés de 3 ans et demi, 4 ans, de mettre en paire les surfaces identiques de cubes et de pavés avec le matériel appelé le cube du binôme. Pour les jeunes enfants, ce matériel représente un puzzle passionnant en 3 dimensions. Il offre une difficulté importante sans être décourageante. Pour les enfants plus âgés, voire pour les adolescents, ce matériel est intéressant car il offre une représentation concrète de l'identité remarquable A plus B au cube. En effet, les arêtes de ce cube sont égales à A plus B. Par conséquent, le volume du cube est égal à A plus B fois A plus B fois A plus B. Autrement dit, le volume de ce cube est égal à A plus B au cube. En décomposant le volume du cube en différents solides, ce matériel matérialise le résultat de l'identité remarquable A plus B au cube. Le cube bleu représente A au cube, car A fois A fois A égale A au cube. A plus B au cube est égal à A cube plus A fois A est donc A carré B. Et ceci, 3 fois. A plus B au cube est donc égal à A cube plus 3A carré B plus B carré A fois 3 plus B au cube B fois B fois B. Bien évidemment, nous n'expliquons pas cela aux jeunes enfants de maternelle. Il s'agit ici uniquement de leur permettre d'affiner leur capacité de discrimination visuelle. Néanmoins, lorsque les enfants de maternelle ont eu la possibilité de construire et de déconstruire le cube concret de ce binôme, ils comprendront et retiendront plus aisément, en élémentaire ou au collège, la représentation écrite de cette identité remarquable. Dans un premier temps, nous montrons à l'enfant comment sortir les solides de manière ordonnée. Montrez ensuite à l'enfant comment reconstruire le cube. Vous pouvez attirer son attention sur la mise en paire des surfaces identiques.
lui indiquait enfin, en contrôle de l'erreur, que si le cube est bien construit, la boîte peut se fermer. Invitez l'enfant à déconstruire puis à construire le cube à son tour. Les premières fois, il est fort probable que le jeune enfant ait besoin de votre aide ou l'aide d'un camarade plus âgé qui sera à même de lui désigner les erreurs qui l'empêchent d'avancer. Si le cube n'est pas correctement construit, l'enfant ne pourra pas fermer la boîte. Plus tard, vous pouvez également inviter l'enfant à construire le cube hors de la boîte.